L'eau, si on comptait. Salut, moi c'est Jean Bave. 71% de la Terre est recouverte d'eau. Mer, océan. Logique qu'on l'appelle la planète bleue, n'est-ce pas? Ok, on ne manque pas d'eau. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins d'eau non salée. Glaciers, nappes souterraines. Seulement 3% d'eau douce. Autre question vitale, c'est la répartition. Un cinquième de la population n'a pas accès à l'eau potable dans le monde. Deux tiers de notre corps est composé d'eau. Sueur, urine, il en élimine 2 litres par jour. C'est pour cela qu'en plus de l'eau contenue dans les aliments, il faut boire 1,5 litre par jour. D'un côté, il y a l'eau que l'on voit. Toi, tu utilises 150 litres d'eau par jour. Une chasse d'eau égale 10 litres. Un robinet ouvert 3 minutes égale 18 litres. Une douche de 5 minutes égale 80 litres. Un bain égale 150 litres. Une piscine égale 50 000 litres. De l'autre, il y a l'eau que l'on ne voit pas. Celle employée pour fabriquer les produits et faire pousser les cultures. Une feuille de papier égale 10 litres. 1 kg de tomates égale 180 litres. 1 kg de maïs égale 900 litres. Un t-shirt en coton égale 3000 litres. 1 kg de bœuf égale 15 000 litres. Alors, qui consomme le plus d'eau? Dans le monde, sur 10 litres, on compte 7 litres utilisés pour l'agriculture, 2 pour l'industrie et 1 pour l'usage domestique. En France et en Suisse, sur 10 litres, on compte 5 litres utilisés pour l'agriculture, 3 pour l'industrie et 2 pour l'usage domestique. Toi, tu veux économiser l'eau? Eh bien, tu peux faire de petits gestes. Coupe ton robinet en te lavant les dents ou en te savonnant sous la douche. Prends une douche plutôt qu'un bain. Mange moins de viande aussi. Et oui, ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières.